Et salut à tous, c'est Alex et PJ, on est en direct du Maroc, c'est de la frappe, on est à Coaching Village, il n'y a pas mieux hein, franchement. Pour s'entraîner, c'est au top du top. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc là, moi aujourd'hui, c'est presque mon train with me, je vais faire pec, dos, bras, mais cette fois en supersed pour m'adapter un petit peu au matériel, tout ça. Et pour toi? Moi, je vais faire une entorse au train with me, exceptionnellement, je fais pas du tout mon programme habituel, je vais faire un full body, mais ça va être sale, voilà, on est en direct. Ça change pas ça. Et c'est un type de vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc dites-nous dans les commentaires si vous kiffez, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, et bien sûr, on vous met les entraînements à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, pour moi c'est parti, premier exercice, développé incliné à la barre, 3 séries de 6 à 8 répétitions. Ok, premier exercice pour moi, je commence avec un super set pec dos avec du coucher à la barre et ensuite je fais du tirage vertical à la machine. Ok, après cet exo, donc je passe moi en circuit avec d'abord développé couché, ensuite rowing mais aux haltères, ensuite barre au front pour les triceps et enfin biceps curl sur à la barre. 3 tours et au niveau des reps, donc 10, 15 au rowing parce que c'est un peu plus léger et 10 et 10 pareil au barre au front. Barre au front et biceps. Yeah, diversify, and I never ever had to make her decide. She ain't never ever been up in the earth as high. Man, I get these chicks wings so these birds could fly. You can put your money down on it. Yeah, you can count on it. And if you're feeling like it sounds legit, then you should bounce to this. I think you know what time it is. Yeah, yeah. Oh Alex, mais les stone shots, il est légal ou c'est que dans le village un peu bizarre? C'est pour les villages people. C'est le poum poum short, comme on dit. Et le tour en ding, quand t'es là sans poum poum short. Ok, premier super set terminé, j'attaque le deuxième. Là j'ai fait pec dos, maintenant je vais faire jambes épaules. C'est parti.
suis assis sur les bancs et ça se voit. Et pour moi, deuxième et dernier circuit avec toujours du coucher, mais cette fois serré pour plus cibler les triceps. Traction supination, levé pour le dos et curl pour le pupitre, pardon, pour les biceps. J'essaie de faire 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps. Allez, Garrett Page. Donc là, comme vous l'avez vu, je suis passé au mollet. Les mollets, il n'y a pas de super set, il y a pas de... C'est les mollets. Là, on se fixe dessus, c'est le point faible. Donc j'essaie de les massacrer, de mettre bien lourd. Voilà, et ensuite on fera un petit circuit full body, poids du corps pour terminer, pour se mettre dans le mal et terminer dans la piscine. Là, je sens juste l'orientation des pieds. Ok, comme je vous disais, on va terminer par un circuit au poids du corps. Donc ce que je vais faire, c'est des pompes déclinées pour les épaules. Ensuite, on fera des squat jumps à cheval sur le banc. On enchaînera avec des pompes claquées. Pour terminer avec des tractions supination, on prendra 1 minute 30 de repos et on fait ça 3 fois. Parler de mon dos tout à l'heure sur le banc. Regardez ces petites seufs là. Comment ça, hein, coquine. Et voilà pour nos deux entraînements donc au Coaching Village, pas de la frappe pour les vacances. Franchement c'est de la bombe, maintenant on va se faire une petite séance de stretching dans la piscine. C'est ça. Chacun de son côté. Merci bien sûr à Coaching Village de nous avoir invités, vous avez le lien dans la description. Allez checker tout ça. Ciao. Et surtout d'ici là, garde la page.